Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium. Capsule hebdomadaire dédiée au féminin dans la relation traditionnelle, en guidance générale bien sûr, pour la semaine du 24 au 30 septembre 2018. Un jour avant, un jour après, nous restons dans les tendances comme je vous le dis toujours. Capsule donc où je vais démêler en direct pour vous ce que l'au-delà va m'envoyer comme réponse pour notre féminin. Féminin dans la relation traditionnelle, l'immense majorité des relations, je le rappelle. Et d'ores et déjà, trois cas de figure. Pour les féminins, je vous les présente comme l'au-delà me les présente dans l'ordre. Pour les féminins qui sont seuls, qui ont rompu récemment ou qui sont seuls depuis un moment, cette semaine, il faut vous attendre à un besoin irrépressible parce que vous avez fait un point sur votre vie. Un besoin irrépressible d'enclencher une relation. Une relation ne démarre pas quand on le souhaite d'un claquement de doigts, bien évidemment. Mais il y a une idée d'amour, de besoin pour vous de vous sentir avancé dans votre vie, de reprise en main ferme et définitive, ou en tout cas bien ferme, de votre vie. Et quand je disais définitive, effectivement, le besoin de sentir que dans une relation pour laquelle vous allez vous investir, c'est une relation qui va pouvoir aboutir. Vous n'avez plus les mêmes craintes, même si vous avez des doutes quant à la personne. Vous n'avez plus les mêmes craintes et c'est une semaine où vous remettez en selle, où vous vous remettez non plus en cause, mais en action. Très bien, avancez. Vous avez fait le point, avancez. Montrez-vous disponible et sortez. Deuxième cas de figure, comme l'au-delà me l'envoie, les féminins dans la relation traditionnelle, encore une fois, ce qui est la majeure partie des féminins et des masculins, des couples et des êtres humains en général. Les féminins dans la relation traditionnelle qui sont dans une relation mais qui n'a pas encore abouti, qui voient leur masculin ou qui ne le voient plus ou on se voit, on se voit pas, mais la relation n'est pas aboutie, vous n'habitez pas ensemble, vous n'êtes pas ensemble. Cette semaine, vous avez besoin, vous aussi, d'amour. Par contre, vous sentez que vous avez besoin de vous poser. C'est une semaine, de toute façon, où le féminin, dans la relation traditionnelle, va sentir qu'il a besoin de se poser. Ou en tout cas, d'avoir une visibilité pour espérer pouvoir se poser. Et donc, les féminins qui sont dans une relation, qui ont quelqu'un en tête, ou dans une relation qui a commencé, qui a déjà démarré, mais où les deux ne vivent pas ensemble, cette semaine, vous allez sentir un changement en vous, de l'amour. La visualisation vers la vie commune. Mais alors là, ce que l'au-delà m'envoie me surprend et en même temps pas vraiment. Le besoin aussi, en parlant à votre entourage amical ou relationnel, ou en entendant le sujet être abordé dans votre sphère sociale, ça va faire écho chez vous. Vous allez vous poser la question de savoir si vous êtes bien avec la bonne personne.
Pour certaines d'entre vous, il y a même un choix. On me montre deux personnes. Ce qui va vous faire réfléchir. Non pas forcément introspection, mais prendre un petit recul pour être sûr que vous avancez bien vers la bonne personne. Mais cette semaine est une semaine dédiée à l'amour. Vous avez vraiment besoin de sentir que s'enclenche pour votre avenir une possibilité de vie commune et de stabilisation. Troisième cas de figure, pour l'immense majorité, bien sûr, des féminins dans la relation traditionnelle, celles qui sont en couple. Vous êtes passé par des hauts et des bas tout cet été. À certains moments, à vous dire « j'ai envie de tout lâcher ». Mais vous êtes toujours en couple. Cette semaine, vous allez penser autrement. Vous allez revenir sur vos doutes de tout l'été en vous disant que vous avez été dur avec vous-même et avec votre masculin surtout. Vous allez sentir que s'enclenche un apaisement en vous, que vous voyez les choses autrement, qu'il y a un changement positif qui s'est effectué, que vous n'avez plus les mêmes doutes. Même si votre masculin, par moment, vous agace, vous énerve encore un peu, c'est normal, ça n'est pas d'un claquement de doigts qu'on change certaines habitudes, pour certains et certaines, enclenchées depuis des décennies. Mais vous allez privilégier le dialogue avec lui. Et puis vous rendre compte que, là encore, l'amour est présent. Il faut consolider vos liens. Et vous allez vers une espèce de franchissement de cap dans votre relation à votre masculin. En vous disant que finalement, ça n'est pas plus mal, c'est pire que ça. Ou c'est même 100 000 fois mieux que ça, plus exactement. Finalement, vous êtes avec la bonne personne. Vous êtes heureuse. Et il y a même une idée d'idéalisation pour un bon grand nombre d'entre vous. Une idée d'idéalisation cette semaine. Plutôt dernière partie de semaine, comme l'au-delà me le dit, de votre masculin. Changement de cap, changement de vision de votre couple. Donc, semaine d'apaisement. On change la donne. Dans votre esprit, vous allez vous sentir soulagé. Et encore une fois, ce qui prédomine, c'est l'amour cette semaine. Ne culpabilisez pas pour ce qui s'est passé cet été. C'est ce qui vous rééquilibre. Parce que vous avez dit des choses, parce que vous avez été intransigeante avec votre masculin. Il montre la meilleure version de lui-même. Idéalisation. Voilà le message que l'au-delà m'envoyait cette semaine pour les féminins dans la relation traditionnelle. Mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait de façon à avoir les capsules en temps et en heure. Je vous laisse un petit lien si vous avez besoin d'une guidance privée. Mais en tout cas, cette semaine, les féminins, c'est une semaine d'avancée claire dans la prise de conscience d'où vous en êtes exactement et de la façon dont vous pouvez aussi envisager votre avenir.
beaucoup plus sereinement. Belle semaine à toutes et à tous.